Les mauvaises graines se sont à nouveau implantées à Verneuil-sur-Avre ce week-end. Ce festival de musique est devenu incontournable. 17 concerts donnés en 2 jours avec des têtes d'affiche, mais aussi des groupes régionaux. Graines de talent. Reportage Frédéric Laffont, Éric Lombert. Chaque ville aurait devrait avoir son festival presque. Ça rayonne, ça fait vivre une ville. On crée un lien entre des gens qui peut-être se rencontreraient pas s'il n'y avait pas ce festival. Le festival met en lumière des groupes issus de la scène régionale. Il mêle tous les styles musicaux. Le stylo veut permettre à un public éloigné des pôles urbains d'assister en 2 jours à 17 concerts. C'est très important que les musiques actuelles soient présentes aussi sur le territoire du sud de l'Eure. À savoir qu'on a quand même un rayonnement aujourd'hui sur la région centre et sur la Basse-Normandie.